Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va reparler de la Shelby GT500 Cru 2020 avec un modèle un peu différent de la dernière fois. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais présenté le modèle Shelby GT500 de GT Spirit à échelle 1/18e. On reste à l'échelle 1/18e, on reste dans le même groupe, mais ce coup-ci, c'est miniature solido. Et vous allez voir, il y a pas mal de différences, mais ça vaut largement le coup aussi. Allez, revue et on parle de tout ça après. Bon, comme je vous disais dans l'introduction, on a ici un modèle de Solido à échelle 1/18e. C'était l'une des nouveautés 2021 les plus attendues et honnêtement, je comprends largement pourquoi. Alors, dans cette vidéo-là, on va vraiment s'axer précisément sur cette miniature-là. Dans une vidéo future, qui arrivera je sais pas encore quand, on va faire en fait un point de comparaison avec le même modèle chez GT Spirit, dans le but en fait, non pas de dire laquelle est la meilleure, parce que ça paraît presque évident vu la différence de prix et la différence de positionnement, mais on verra un petit peu plus quelles concessions ont été faites par Solido, parce que il serait facile en fait de se dire en fait Solido a tout simplement repris le moule de GT Spirit pour faire des économies. En fait, c'est pas du tout le cas, pour une raison simple. Déjà, GT Spirit fait des modèles en résine. Deuxièmement, GT Spirit fait des miniatures plutôt haut de gamme. Donc il y a des points très positifs et des points très négatifs, mais avant tout ça, on va parler un petit peu du modèle, même si vous l'avez peut-être encore en tête depuis la dernière fois. Donc, Shelby Mustang, c'est une Ford Mustang revue par Shelby, c'est-à-dire une Ford Mustang encore beaucoup plus puissante, puisqu'ici, en fait, on a le V8 Predator, avec une cylindrée de 5 litres 2, un compresseur pour une puissance totale de 771 chevaux à 7300 tours minute, et pas moins de 850 Nm de couple. Alors forcément, le 0 à 100, c'est en 3 secondes 5 seulement, les reprises sont purement excellentes, et les acheteurs avaient le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte auto à double embrayage à 7 rapports. Dans la plupart des pays, seule la boîte auto était proposée. Ici, je ne sais même pas laquelle on a, puisque pour ne rien vous cacher, je viens tout juste de déballer la miniature, je n'ai encore jamais ouvert les portes. Donc, maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, on va parler un petit peu de notre réplique Solido, puisque je la découvre un petit peu en même temps que vous. On va s'attarder un petit peu sur l'avant, puisque une Ford Mustang, c'est avant tout une gueule, et là, c'est quand même une sacrée gueule. Alors, la modélisation est bonne dans l'ensemble. On retrouve le bosselage du capot qui est caractéristique, avec sa petite grille façon persienne ici. On retrouve également une grande calandre qui n'est pas percée. Pour rappel, Solido, c'est des miniatures à 44,95€, prix maximum conseillé. On ne peut malheureusement pas avoir mieux, mais le rendu est quand même bon, puisque là encore, on a un sigle qui lui est très bien détaillé et qui permet en fait de cristalliser le regard. Et même si on regarde un peu plus en détail sur les côtés, ça reste largement acceptable. Il faut vraiment avoir les yeux dessus ou la caméra dessus pour vous, pour voir que c'est pas tip top non plus. On retrouve également une lame assez généreuse qui est marquée Shelby sur la partie basse. On a un avant très musclé avec un capot qui remonte avant de redescendre. Les optiques sont assez simples dans l'ensemble. On voit des points de fixation vraiment sur les côtés, mais pour le reste, c'est très correct.
On retrouve bien les trois bandes qui sont caractéristiques des Mustangs, qu'on retrouve bien sûr à l'arrière, mais regardez pas, on en reparle après. Sur les ailes, on trouve le logo Shelby, et en l'occurrence, c'est un Cobra. Pour terminer sur l'avant, on a également des écopes sur les côtés qui ont le même traitement que la grille. Et par contre, j'ai un petit bémol à émettre, c'est concernant la mise en peinture des éléments noirs. Alors, on le voit parce que la Mustang a quand même un travail sur l'avant qui est assez conséquent. Et en gros, il y a des parties qui ont été peintes et malheureusement, la précision n'est pas exceptionnelle. Alors là encore, ça va dépendre des exemplaires, certains sont bien mieux traités que d'autres. Sur le mien, j'ai également des petits manques de peinture, donc ça c'est un petit peu dommage par contre. Et la peinture est quand même assez approximative, donc ça, c'est deux petits bémols. Après, en toute franchise, on le voit pas plus que ça, à moins de vraiment avoir les yeux dessus. Au niveau du profil, là, on remarque tout de suite un truc, c'est que les vitres sont très sombres. Et ces vitres-là, en fait, on a l'impression que c'est les mêmes que celles qu'on avait chez GT Spirit. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? J'imagine que non, puisque là, on a des ouvrants, alors que GT Spirit, on n'en a pas. Mais c'est super sympa, en fait. Ça rend hyper bien. Au niveau du profil, donc, on retrouve la ligne musclée de la Mustang, avec des ailes arrière qui remontent, la trappe à carburant, et des bandes de couleur bleue. D'ailleurs, sur mon exemplaire, j'envisage de retirer toutes les bandes bleues, ce qui pourrait être sympa. Ensuite, avant de parler des jantes plus en détail, on va finir sur le cul de notre Mustang. Alors, un aileron spécifique au Shelby GT500, on a également un bandeau à fond noir et des feux qui, eux, sont de couleur rouge. Alors là, par contre, on est clairement très en dessous de ce qu'on a chez GT Spirit. Encore une fois, c'est logique. Les points de fixation sont apparents, mais ça dépend énormément des angles et surtout, en fait, j'ai pas le même traitement à gauche et à droite. Le feu droit paraît beaucoup mieux intégré que celui de gauche. Bon, c'est propre à chaque exemplaire. On a également 4 grosses sorties d'échappement réparties par groupe de 2 qui sont très fines au niveau des bords. Et en fait, le fond, on ne le perçoit pas, ce qui est parfait en termes de réalisme. Le diffuseur est bien intégré également, c'est propre. Les fixations de l'aileron sont aussi très très fines. D'ailleurs, c'est assez rare sur cette gamme de modèles et sur cette gamme de prix d'avoir des fixations aussi fines, donc c'est un très bon point. À l'arrière, trop rien à signaler, les catadioptres et feux de position sont tout simplement peints en rouge. Là encore, ça pourrait être un peu plus rigoureux, mais comme je le dis souvent, Solido fait des miniatures à petit prix. Ça implique forcément de faire des compromis et des concessions sur certains aspects. Mais quand on regarde la miniature dans son ensemble, bah personnellement, je me dis waouh quoi. Enfin, avec un cahier des charges comme ça, réussir à faire une miniature comme ça, c'est juste oufissime. Alors bien sûr, Solido sait à l'avance que ça va être un immense succès. Tous les fans d'American vont acheter cette miniature-là et ils ont entièrement raison. Enfin, pas forcément celle-là précisément, puisqu'elle existe également en rouge à bande blanche. Et ceux qui me connaissent savent que j'apprécie fortement les voitures rouges à bande blanche. Mais je sais jamais pourquoi. Ensuite, au niveau des jantes, là, c'est assez intéressant aussi, puisque elles sont très, 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 très fines. Et surtout, elles ont une texture qui est ultra réaliste. Enfin, je suis juste bluffé. Mais vraiment bluffé. C'est génial d'avoir ça. On a un traitement anthracite. Alors le plastique, je sais même pas s'il est peint, mais en fait, il était tellement travaillé et retravaillé qu'on a un rendu carbone qui est vraiment excellentissime. Alors, quand on est à 10 cm, voire moins, évidemment, on voit des défauts très clairement. Mais pour le reste, bordel de merde. On voit même que les écrous sont dans un gris différent et beaucoup plus clair, limite chromé. Donc c'est purement génial d'avoir ça, franchement bravo Solido. Ensuite, les freins sont en plastique, mais ils ont une texture. Là encore, je ne sais pas comment Solido a réussi son coup, mais c'est très très bon. On voit que l'étrier Brembo à 6 pistons à l'avant ne tourne pas, tandis que le disque tourne avec la jante, ce qui est tout à fait logique. Et à l'arrière, en fait, la logique en a pris un petit coup dans la gueule, puisque les freins bougent en un seul ensemble. Alors heureusement, ils font pas le tour avec la miniature, mais on aurait aimé en fait qu'ils ne bougent tout simplement pas. Alors après, il y a une contrainte technique aussi, c'est que à l'avant,
L'étrier, il a une patte qui est particulière. Je ne sais pas si vous la voyez ici. On voit que l'étrier est fixé directement au niveau de la direction. À l'arrière, en fait, on a... Je vais exagérer un peu. On a deux étriers. C'est-à-dire qu'on a l'étrier de frein classique qui est à l'arrière. Et on a également un étrier gris qui est là et qui est en fait le frein de parking tout simplement. Donc si on voulait que le disque tourne, il aurait fallu que le frein de parking comme l'étrier aient chacun un point de fixation. Et tout ça, ça complexifie un petit peu la réalisation de la miniature. D'ailleurs, on voit que là, pour le coup, Solido a tout simplement moulé ses disques sur un seul bout avec une petite encoche qui vient s'intercaler dans le châssis, ce qui fait que ça ne tourne pas. D'ailleurs, transition, voici le dessous de notre miniature qui est honnête. La ligne d'échappement, on la voit très bien avec les différents silencieux. C'est vraiment super chouette. Sans être excellent, c'est d'un très très bon niveau. Et maintenant, ce qu'on va voir un petit peu sur cette miniature-là, c'est au niveau des ouvrants. Alors comme je vous l'ai dit, je le découvre en même temps que vous. Même sur Internet, j'ai vraiment pas voulu voir à quoi ça ressemblait. Donc on va directement attaquer. Déjà, on a une charnière de porte qui est très réaliste, très fine. On regarde l'autre côté pour avoir un peu plus de luminosité. Donc ça s'ouvre sans trop de difficulté avec les poignées. Au niveau des contre-portes, c'est noir, c'est sobre. Les touches de gris sont bien appliquées. Là par contre, c'est vraiment très très joli. Et au niveau de la sellerie, on a un traitement biton, blanc et noir. Là encore, les délimitations sont relativement propres dans l'ensemble. J'ai vraiment pas à m'en plaindre. On voit le sélecteur de vitesse au centre de la console centrale. Le volant qui est aussi réussi dans l'ensemble, même si on n'a pas un gros débattement. On perçoit les palettes derrière le volant. On a des fonds de compteur qui sont tous imprimés, sans exception. Et les pédales, ce coup-ci, sont fixées à la base du tableau de bord et pas sur le sol. Donc là encore, c'est un très bon point. Ce qui prouve aussi que Solido écoute les reproches qui leur sont faits. Et ça, je trouve ça merveilleux. Puisque à chaque nouvelle miniature, on a vraiment une progression. Alors des fois, on a une régression sur certains aspects. Mais là, encore une fois, c'est des contraintes techniques. On ne peut pas toujours satisfaire. On a également le fond de compteur qui est imprimé. On a un rendu carbone sur la console centrale. Donc tout ça, en fait, ça va vraiment dans le très 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 bon sens. La miniature est une pure réussite. Bon, j'ai arrêté de parler. Si elle vous plaît, la référence, c'est S1805-904. Si vous voulez la rouge à bande blanche, c'est 903 à la fin. Le prix de vente maximum conseillé, c'est 44,95€. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, vous avez un lien dans la description. Et il paraît même qu'il y a un petit code promo sympa de 10%. Je vous laisse aller voir ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et surtout si vous avez une Mustang Shelby GT500. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.